Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue pour cette nouvelle histoire. Je tenais avant tout à vous remercier pour vos gentils messages, vos encouragements. Ça me fait vraiment chaud au cœur et justement ça m'encourage à continuer dans cette démarche et à vous raconter cette nouvelle très jolie histoire du Tourézave. Donc on raconte à propos de Rabbi David Halevi, donc qui vivait au XVIIe siècle, plus communément connu sous le nom du Tourézave, du nom du commentaire qu'il a écrit sur le Mishnah Brura, donc un commentaire qui est étudié jusqu'à aujourd'hui sur les halakhot donc de la Torah. Et on raconte à propos du Tourézave que à l'époque, dans les années 1600, il y avait des graves menaces qui pesaient sur le Ham Israël, sur le peuple juif, notamment dans les régions de Russie, Biélorussie, etc., parce qu'il y avait des gros bouleversements politiques. Et ces bouleversements, comme on le sait, souvent les premières personnes à être victimes de violences dans ces déplacements de foule comme ça pour passer d'un pays à l'autre, etc., c'était les communautés juives, avec les pogroms qu'on connaît, etc. Et donc le Tourézave, très inquiet de la situation qui était en train de se dessiner à l'horizon, a décidé, avec trois autres rabbanim de sa ville, de prendre exil, c'est-à-dire de s'exiler dans une autre ville, afin de vivre une vie complètement anonyme et de, par cet anonymat, essayer justement, loin des kavod, loin des honneurs, etc., essayer de pouvoir préserver le Ham Israël de ces menaces qui pesaient donc et qui pointaient à l'horizon. Donc voilà le Tourézave qui part dans une ville. Il arrive, il connaît personne, il est habillé d'habits simples, il s'installe dans la synagogue, il étudie là-bas, personne ne le connaît. Et il vit comme un mendiant, ça veut dire que de temps en temps, on lui emmène un repas, il fait un peu la manche, etc. Et une personne qui était dans la synagogue et qui lui apportait de temps en temps à manger, vient le voir en lui disant « Tu sais, j'ai entendu dire que dans l'abattoir de la ville, ils sont à la recherche d'une personne qui pourrait venir travailler la dernière étape de la shrita. » Donc cette dernière étape consiste à vérifier au niveau des poumons que la bête est cachère. Il fallait effectuer dessus une petite manipulation. Et cette manipulation, si elle était effectuée comme il fallait et que la bête répondait à tous les critères de cacheroute, eh ben, la bête était validée comme étant cachère et pouvait être mise sur le marché. Donc il se présente au poste pour travailler à l'abattoir. Bien sûr, il est embauché tout de suite. Et voilà le Tourézave qui commence donc à travailler une bête, deux bêtes, un jour, deux jours, trois jours, deux semaines. Et puis un jour, le rabbin de la ville appelle le patron de l'abattoir. Et il lui dit, tu sais, je suis un petit peu surpris. Ça fait déjà quelque temps que tu ne m'emmènes plus de bêtes à valider avant de les mettre sur le marché, si elles sont cachères ou pas cachères. Comment ça se fait? Alors là, bon, le patron de l'abattoir est un peu gêné. Il lui dit, il essaye d'éviter un peu la question. Mais bon, face au Rav qui insiste pour avoir une réponse, il lui dit « Voilà, Rav, je vais vous expliquer. On a embauché quelqu'un il y a quelque temps qui a l'air de très bien connaître les halakhot et les lois donc de cacheroute. Et cette personne valide les bêtes. Donc du coup, on n'a plus besoin de venir vous emmener les bêtes pour vérification. » Le Rav est furieux. Qui se permet de décider à la place du Rav de la ville quelle bête serait cachère ou ne serait pas cachère? Il convoque tout de suite donc le Rav David Halevi, le monsieur David, puisqu'il était encore une fois sous couvert anonymat quand il était dans cette ville-là en tant qu'employé de l'abattoir. Et il le convoque, il lui dit « Dis-moi qui tu es toi pour te permettre de valider ou de ne pas valider la cache-route des bêtes? Tu n'as pas le droit de faire ça. » Il lui dit « Écoutez Rav, moi je connais un peu la halakhot, j'ai étudié un petit peu, il est hors de question, je t'excommunie, je te mets en kherem. Tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as plus le droit de venir remplacer. Ça se trouve, il y a plein de bêtes que tu as rendues cachères alors qu'elles n'étaient pas cachères. Rien que pour ça, ça mérite que tu sois mis en kherem dans notre ville, c'est-à-dire que tu sois excommunié. » Maintenant, comment se passait le kherem au XVIIe siècle? Eh bien, l'excommunion se faisait de la manière suivante. On mettait la personne qui était en kherem dans une petite pièce à l'entrée de la synagogue. Et tous les gens qui passaient pour entrer et sortir de la synagogue, eh ben, il insultait, il le regardait avec un regard mauvais. Il était vraiment considéré comme une personne mise au banc de la société et une personne vraiment pas fréquentable. Et voilà donc le Tourézave qui est dans cette petite pièce, il y a à peine la place pour s'asseoir. Et les gens passent devant lui, il insulte, il crache devant lui. Et lui, il est content parce qu'il se dit, voilà, tout ce que j'espérais justement subir comme humiliation pour pouvoir et être loin du kavod, pour pouvoir préserver mes frères d'un éventuel massacre, et bien aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il était content comme tout et ça se passait comme ça un jour, deux jours, trois jours.
Et voilà le Rav David Halevi, le Touré Zahav, assis dans sa pièce, en train de réviser de tête toute l'étude qu'il avait accumulée depuis son jeune âge. Il entend passer devant lui une petite fille en pleurs. Et il ne comprend pas, il est alerté par ces pleurs-là. Il passe la tête comme ça, et puis il voit une petite fille qui tient un poulet dans la main, et en larmes. Il dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Et elle lui explique qu'elle sort de la maison du Rav, avec un poulet qu'elle a emmené vérifier pour voir s'il était cachère ou pas, et que le Rav lui a invalidé la cacheroute de ce poulet. Et elle lui explique « Tu comprends, moi je suis orpheline, mon papa est décédé, ma maman vit très difficilement, pour avoir pu acheter ce poulet, elle a dû faire des grands sacrifices. Et maintenant je ne sais pas comment je vais aller annoncer à maman que ce poulet n'est pas cachère. » Il lui dit « Fais-moi voir ce poulet. » Et le Rav, il regarde comme ça le poulet, sous tous les angles, il vérifie et il lui dit « Ce poulet est cachère. » Elle lui dit « Ouais, mais bon, vous êtes en chérem, vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça vaut rien, votre parole ne vaut rien. » Il lui dit « Écoute, je te dis que ce poulet est cachère, va voir le Rav et dis-lui d'aller vérifier dans le Mishnah Brura, il y a un commentaire du Touré Zahav, telle référence, et là-bas le Touré Zahav, il va lui donner la réponse et que ce que lui pense ne pas être cachère, ce poulet est cachère. » Alors la petite fille, elle se dit « Bon, qu'est-ce que j'ai à perdre ?» Elle retape à la porte du Rav, elle rentre, elle donne le poulet au Rav. Le Rav lui dit « Mais ça y est, je t'ai dit, c'est pas cachère ce poulet, c'est pas possible. » Il dit « Oui, mais regardez, il y a un Touré Zahav dans tel Mishnah Brura, telle référence, où là-bas il dit qu'apparemment ce que vous pensez ne pas être cachère, apparemment ce serait cachère. » Le Rav va vérifier ce commentaire et effectivement, il se rend compte que le poulet est cachère. Alors là, il est quand même surpris. Bien sûr, il valide la cacheroute, mais avant de la laisser partir, la petite fille lui dit « Dis-moi, d'où toi tu connais le Touré Zahav ? Où t'as étudié ça ?» Elle lui dit, elle essaye d'éviter un peu la question. Enfin, elle craque, elle lui dit « Voilà, c'est le monsieur en bas qui est en Kherem, là, qui m'a donné cette référence. » Il dit « Quoi, celui-là, là, qui donne cacheroute, pas cachère, qui est en train de faire n'importe quoi sur la cacheroute, celui-là, il t'a donné cette référence ?» Il convoque tout de suite le Rav David Halevi, le Touré Zahav, dans son bureau, le Rav, et il lui dit « Dis-moi, d'où toi tu connais le Touré Zahav ?» Et bon, il essaye de se défiler un petit peu la question, et le Rav étant vraiment insistant, il craque et lui dit « Voilà, c'est moi le Touré Zahav. C'est moi Rabbi David Halevi, c'est moi qui ai écrit ce commentaire du Touré Zahav. » Le Rav de la ville est choqué, il se met à pleurer, il lui demande pardon, comment il a pu faire honte, mettre en chérem le Touré Zahav, c'était quelque chose de très grave. Il était vraiment très très mal à l'aise, etc. Et voilà comment le Touré Zahav est reparti dans sa ville, en ayant pu préserver une petite fille qui était très triste. Mais il y a une grande question qui se pose à cette histoire. C'est tout l'objectif du Touré Zahav, c'était justement de préserver l'anonymat. Comment, pour une petite fille, il a pu mettre tout ça à plat, il a pu mettre peut-être même en danger, parce qu'après, dans les années 1639 et en 1640, on dit qu'il y a des centaines de juifs qui ont été assassinés par les Cosaques. Comment, ça se trouve, le Rav, il aurait pu éviter tout ce massacre-là, en étant pas alerté par les pleurs de cette petite fille, et en continuant à prendre sur lui l'humiliation, et bien peut-être qu'il aurait pu sauver des dizaines et des centaines de vies. Et en fait, le Rav, il voulait expliquer qu'on ne peut pas être insensible aux pleurs d'une petite fille. Quand on comprend qu'on ne peut pas être insensible à la douleur de l'autre, quand on comprend que quand on entend son prochain pleurer ou quand on entend son prochain qui est dans la souffrance, on peut mettre en danger tout le travail d'une vie, ou tout pour le Rav en tout cas, tout le travail de plusieurs mois, on va mettre tout ça à plat parce qu'on va dévoiler sa propre identité. Mais pourquoi ? Parce que les pleurs d'une petite fille ne peuvent pas laisser insensible même le plus grand des tzadiques, peut-être même surtout le plus grand des tzadiques. Et en tout cas, de là, on apprend quelque chose de très grand. On sort d'une période de fête. Depuis Rosh Chodesh Elul, les Slichot, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuva, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabba, Simchat Torah, c'est l'apothéose, 52 jours, 51 jours jusqu'à Hoshana Rabba, et encore ce jour-là en plus, où Akadosh Baruch Hu nous a dit « Caché alai pridatrem ». Cette séparation d'avec vous est difficile pour moi. Voilà comment nous dit Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas me séparer de vous. Et en fait, il y a un Rav qui voulait dire quelque chose de très beau, et je finirai avec ça. Le Rav voulait dire « Caché alai, Akadosh Baruch Hu, il dit « C'est difficile pour moi, pridatrem », le fait que vous soyez séparés. Pendant toute cette période de Elul, et de Rosh Hashanah, de Kippour, de Simchat Torah, vous étiez tous ensemble unis. Il n'y a qu'à voir à Ouman, à Rosh Hashanah, comment toutes les personnes de toutes les communautés confondues, les queues de cheval, sans kippa, avec les plus grands chassidim, ils sont là, ils dansent ensemble, ils s'aiment, il y a une
Ardout, une unité dans le peuple juif qui est extraordinaire. Et cette unité, on la retrouve ici pendant la période des Slichot au Kotel, avec des dizaines de milliers de personnes qui viennent prier, toutes tendances confondues, tout niveau de religion confondu, simplement parce que HaKadosh Baruch Hu donne un élan comme ça, où on est tous dans une grande unité, dans une grande Ardout. Et cette sensibilité-là qu'on a d'aimer son frère, son prochain, HaKadosh Baruch Hu dit j'ai du mal quand je sais qu'après la période des fêtes, caché à l'aïe prix d'Atrem. C'est difficile pour moi de vous savoir séparer, vous allez tous revenir. Alors peut-être qu'on doit garder un grand enseignement de cette histoire du Tour Ézav, qui lui n'a pas su être insensible aux pleurs d'une petite fille. Et bien nous aussi, apprenons et sachons à ne pas être insensibles à la douleur de notre prochain, à nous aimer les uns les autres, quel que soit le niveau de religion de chacun, quelle que soit la couleur de la kippa, ou même s'il n'y a pas de kippa, surtout s'il n'y a pas de kippa, aimons-nous tous, pardon, et soyons toujours tous dans la Ardout, parce que c'est cette unité qui nous emmènera à la Géoula chez les mâles, à la délivrance finale. Avec la venue du Mashiach, Bimhera, Biyamenu, Amen. A très bientôt pour une prochaine histoire. A bientôt les amis.